Et salut à tous, 8ème VOD de Fire Emblem Engage. On se retrouve ici. Je dois dire que je suis pas habitué à avoir tant d'alliés, c'est sympa de travailler avec vous, votre divinité. Donc on vient de débloquer Yunaka. Sans vous, mon village aurait bien pu finir comme celui-ci, j'ai pu laisser une telle chance se produire ailleurs. Hop. Oui, donc on avait recruté Jean la dernière fois. En tant que membre de la famille, je me sens en partie responsable. Je sais pas. Par contre, il faut... Je me sens en partie responsable d'avoir laissé les bandits agir à leur guise. On est en situation, on est en jeu en lequel j'espère qu'il n'y aura pas ce qui se passe. Une véritable bataille, c'est pas tout à fait comme à l'entraînement, ça a été dur, mais je commence à prendre le coup de main. Bon, maintenant je sais à quoi sert le fragment. Les fragments, c'est pour diverses choses. On peut recruter le. Ah oui, on peut adopter les animaux. La méridionale. Voilà, on adopte les animaux. J'ai toujours pas l'idée à quoi ça va servir, mais c'est pas grave. Quelle tristesse, je me demande si ce village retrouve un jour son dynamisme d'antan. Mon cœur saigne, si tel était le caprice du destin, nous aurons très bien pu grandir ici. La parfum, ça t'est meilleur que je ne l'aurais cru, puis je contribue à instaurer la paix. Merci pour les fragments de lien. En vrai, ça sert à plein de trucs. Lingot de fer, bon, ça c'est pour la forge. Pour forger des armes de fer. Des fragments de lien, très important. Ouais, moi je prends tout le monde, hein. Bas les couilles. Sait-on jamais, il y a peut-être un exploit lié aux animaux qu'on. Ah, d'accord, c'est un mur. Ça aussi, c'est un mur. Putain. Putain! Il y a encore un animal que je peux recruter. Bah, que je peux. Je me crois vraiment trop dans un Fire Emblem normal. Bah, normal. C'est un Fire Emblem normal. Mais je me trouve trop dans un jeu. Le pigeon! Pourquoi faire? Direz-vous. Quel intérêt d'adopter un pigeon, j'en ai aucune idée. Même moi, je ne sais pas. Bon, je crois qu'on a parlé à tout le monde. Bah ouais, je crois que j'ai parlé à tout le monde. J'ai pas récupéré les fragments de boulien de tout le monde. J'avais pas parlé aux jumeaux. Je crois que c'est les unités que tu prends. Bah non, même pas Jean, il est pas. J'ai pas pris Jean sur la précédente carte. Donc non, ça a rien à voir. Bon, on peut partir. On va aller à Sommiel. Ah. Ok. Je ne refuse pas les points. Les points du jeu. Ah, encore elle.私の守り。これがあれば絶対に会えるって信じてるんだ。素敵です。私も信じますよ。ベールが兄弟とまた会えること。でもあまり無理をしてはダメですよ。ほら、足に傷が。 こんなのいつものことだよ。
Elle est pieds nus ou elle est... Elle est vraiment... この前助けてもらったお礼です。気にしないでください。それに私たちはもう友達でしょ。友達を助けるのは当然のことです。友達？もしかして嫌でしたか？違うの。私嬉しくて友達ができるなんて夢みたいで。それに こんな風に優しくしてもらったのもいつぶりだろう。それってどういう。ごめんなさい。もう行かなきゃ。ベイル？包帯ありがとう。また会おうね。行ってしまいました。はい。また会えるといいですね。 D'accord. Très mystérieuse cette veille. Je m'attends à la voir apparaître à la fin du jeu. Révélation Cliffhanger, le perso était en réalité un antagoniste. Bon, je dis ça, mais bon, il y a moyen que c'est ça. Donne un ticket de relais. Ok. Oh, il y a du monde. Ah, mais c'est normal ces animaux. J'ai du mal, c'est pas. Okay. Cette phrase, je crois, est toujours la même. Regardez-moi, il y a tous les animaux. Ouais, du lait. Bah, je crois que c'est une carpe, aucun poisson. Ah oui, d'accord. Sur les animaux que vous mettez, vous avez des récompenses différentes. Ok. De la farine de blé. Mais évidemment, on regardera ce qu'on a récupéré après. Bah, les nouveaux bâtiments et tout. C'est vrai qu'on passe plus beaucoup de temps quand même à Soniel. Hein. C'est vrai que c'est quand même une zone assez. Assez grande. Toujours aller dire bonjour à Semi. Dès qu'on en a l'occasion, allez voir Semi. Ah, c'est bon. Ah oui, je fais des cristaux, c'est vrai. Dis Semi, est-ce que tu boufferais pas des œufs, du lait, tiens. Du lait pour le clébard. Alors, est-ce qu'il aime le lait? Oh! Ah oui, il adore le lait! Ah oui, maintenant il me suit! Il me suit! Bon, il a un peu de mal à me suivre, mais il me suit, quoi. Il me suit! Ah, c'est un clébard, donc forcément il me suit. Est-ce que y a quoi ici? Est-ce qu'on a débloqué cette zone? Oui, on l'a débloqué. Alors je veux pas faire les entraînements et tout. La tour des épreuves a été déverrouillée. Il y a des effets prenant part à des défis spéciaux dans la tour des. L'épreuve de tourmente. Tiens, tiens, tiens. Ça, c'est dans Heroes pour le coup. Alors, il faut savoir qu'il y a des emblèmes de Heroes. Il y a Alphonse, Sharena et Anna en emblème dans ce jeu. Bah, pas en emblème jouable. Peut-être qu'il y a des joueurs. Pas du multijoueur vous permet d'affronter des joueurs en ligne. Ah oui, il y a un mode en ligne. Ok. Bon, c'est pas quelque chose qui a été vraiment mis en avant. Accessible une fois le chapitre terminé. Ok. Et ça, c'est des modes en ligne. D'accord, ça explique mieux le ticket qu'on a obtenu. Pour me TP, c'est X.
La salle des emblèmes, il y a une nouvelle fonction, on peut commander. Ah oui, on peut commander au. On va aller au verger parce qu'il y a des trucs à récupérer. Et puis il y a du monde au verger. Des oranges. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Du caca, mais qui veut recevoir ça? T'offres de la merde à qui? Mais vous foutez de ma gueule. Je sais pas, t'offres de la merde à quelqu'un, tu veux que ce soit quoi ça? Bah merci pour la merde, mais tu veux que je refasse quoi? Merci. C'est un peu ça l'idée, hein. Pourquoi t'offrirais de la merde à quelqu'un? Marf est originaire d'un continent adjacent à celui d'où je viens. Oui, il est d'originaire de Akanaya et toi tu es d'originaire de Valencia, oui. Valencia qui deviendra plus tard Al Valm et qui sera dirigé par le Valmar. Ça, c'est un peu l'histoire de Awakening du coup. C'est un peu l'histoire de Awakening. Ah oui, regardez Somi. Regardez, alors moi, autant moi je me TP, mais lui non. Du coup, il doit faire tout le chemin à pied pour venir me rejoindre. Et en sachant qu'il va pas très vite. Ah ouais, c'est criminel. Bon, je vais pas m'amuser à récupérer tous les objets, mais bon. Alors, on sait qu'il aime pas les noix. Regarde, du coup, il y aura qu'à dans cette. Ce miel, j'attends à me tenir à carreau. C'est elle à qui j'ai parlé, hein. Ouais. Quand il y a une discussion comme ça, je suppose que le personnage a quelque chose à raconter ou un truc comme ça. Ouais. Alors la salle de l'épreuve. Bon ça, j'ai bien compris que c'était. Ah non, ça c'est. Ok, c'est un nouvel endroit débloqué qui vient de se débloquer. Pas maintenant, c'est deux archives. Les archives. Ok. Bon, c'est un truc la secondaire, mais. Une gemme protectrice. Ah, intéressant. Ah, il y a des persos qui s'entraînent. Ça donne vraiment de la crédibilité à l'endroit. Le point fort de ce jeu, pour le coup, c'est vraiment tout son aspect très crédible. T'as vraiment l'impression de jouer au jeu. Bah, que le jeu est crédible, l'univers du jeu est crédible. Là où il y a des jeux, vraiment, l'univers te fait vraiment. Tu comprends que c'est un monde fantastique. Mais là, le monde est très très crédible. On croit vraiment que. Bah, que le monde existe. Ils ont vraiment bien détaillé leur jeu. Yosomi. À mon avis, quand tu te TP, il retourne. Il retourne. Ah, faut aller dans les archives pour le avoir le que le tuto soit fini. Ok, bon, on va le faire. Bon, je suppose qu'il y a un système de recettes dans le jeu. On fait voir les archives. Carte de profil, nanani, nanana, on s'en fout. Séance photo. Vas-y, frère, t'es sérieux. Putain, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc dans le jeu qui est. Bah, dans les jeux vidéo, je trouve qu'il est de plus en plus présent, c'est un mode photo. Alors c'est bien quand le jeu est beau, genre Last of Us, tout ça, les jeux PS5, tout ça, je peux comprendre, mais est-ce que t'as vraiment envie de prendre des photos dans Fire Emblem Engage? Soyons sérieux, 10 secondes. Ah bah du coup c'est Jean qui. Commandez. Ouais bon ça c'était déjà dans. Alors c'est dans. C'était dans. C'était dans. Putain. C'était. On va manger avec Céline. Et. Ah, mais ils aiment tous les deux. Ah bah ça, c'est un truc qui est bien. C'est un truc. Tu sais pas. Tout de suite. C'est ce que tu sais tout de suite ce qui te fout, ce que les deux persos aiment bien. Oh. Ok, ça, c'est bien. C'est un truc mieux que dans. Non, quoique. C'est aussi dans. Dans Tri Hop aussi, il y a ça. C'est bien. Ça permet de augmenter les soutiens. Ah, dialogue disponible. M'entraîne, je suis allé voir un paysage. Quant à moi, je visite un belvédère au cœur d'un jardin fleuri. J'ai fait ressurgir des souvenirs de Firenze où nous y retournerons ensemble. Rang A.
Les jeunes gagnent aussi. Les jeunes gagnent aussi. Les jeunes, c'est qui les jeunes? On C'est est tout deux, sauf Alire, parce que Alire, elle a 110 000 ans. Inclinez en bas les restes pour emporter. Faire un plat. Ok, bon bah ça, c'est un truc qu'on fera sans doute souvent aussi. Ah bah il est là, Somi. Il m'a rejoint. Tiens, Somi, tu veux le... Ah du coup, non, il me suit, mais je peux pas le... Ok. Il me suit, mais il fait rien, quoi. La salle des emblèmes. Apparemment, il y a un truc, une nouvelle fonctionnalité. Allons voir ça. Ah mais du coup, il y a Somi qui court. Ok, maintenant que je suis pote avec Somi. Ah. Bah, du coup, oui, on a eu Mikaya. Autant utiliser des points pour voir ce qu'on peut avoir. Alors, le premier de Mikaya, ça va être Sléane. Ok. On va en faire trois comme ça au moins. Le deuxième, c'est aussi un bronze. Et ce sera Neyla. Ah, je pense, oui, c'est les personnages exclusifs à Radiant Dame, ça. Donc, et le troisième. Encore un bronze aussi. Et Lassia. Ok. Bon, on peut, vu les points que je gagne. Peut se permettre. Allez, Marf, ça va être un bronze et c'est le Narbal. C'est le cas. J'ai vraiment pas de chance. Mais après, c'est bien. Génie. Ah bah, j'ai un doublon. On va pouvoir avoir celui de. Le argent de Jenny, je pense. Oh, un argent. Etlin, ah, la femme de. Ah, ben non, c'est le rang S, ça. Ok, c'est le meilleur qu'on peut pas avoir. Du coup, unir des anneaux de lien. On peut unir. Ok, ça c'est plutôt bien. Ça veut dire que si t'as des doublons, c'est pas trop grave. Au contraire, même avoir des doublons, ça aide. Après, oui, ça coûte plutôt cher. Arme de fusion. Ah, c'est utile pour la tourmente. Ok. Améliorer. Ok. Ah oui, il faut des cristaux et tout. D'accord. Ah oui, il a bien tire fine. Nouvelles anneaux, nouvelles données pour les anneaux. Alors maintenant. Ça me fait penser vraiment à un tri-hop pour le coup. C'est vrai que c'est une mécanique de faire des tours avant de faire une carte. De faire des petites activités, tout ça, avant de faire une carte. C'est très tri-hopesque. Alors que le jeu a été développé en parallèle. Hein. C'est assez étonnant. Qu'il y ait des mécaniques très similaires. Pour le coup, ouais, tu passes du temps dans l'ensemiel quand tu passes dans le camp de tri-hop pour préparer tes batailles, tout ça, améliorer tes soutiens. C'est assez marrant. Moi, je trouve que c'est. Moi, personnellement, un truc que j'aime bien. Alors, c'est l'arène hein, pour Up. Ouais, par contre, où il y a beaucoup de temps de chargement, là où c'est plus fluide du côté. Saut d'entraînement. Standard. Débuter l'entraînement pour Jean, oui, parce qu'il est que level 1. Il affronte. Alfred. Bon, il va mourir. C'est pas grave. Donc, encore deux fois. Allez, il est level 6. 6. Voilà, Fram. On va encore entrer. On va entraîner Fram. Parce que nos healers sont pas au level. Ah oui, d'accord. Après, bon, c'est normal. Alire, vas-y. Enfant dragon. Ah, d'accord, c'est.
Parce que on gagne de... Parce qu'on gagne de... du soutien. Oh, il est plus fort que Alire. Ah oui, il utilise quoi? En plus, le soutien augmente. Alors, on va faire ça aussi, l'emblème, avec Yunaka et Mikaya. Euh, 310 points. Bon, on va pas utiliser 310 points, mais on va utiliser 110 points, histoire que... C'est pas long, hein. C'est pas beaucoup de points hein, pour le mettre au niveau max. Level 3, maîtrise de bâton et lumière de soin. Et elle peut utiliser en plus... Ah oui, c'est vrai que j'avais pas vaincu mon emblème. Hein. Et ça c'est quoi? C'est une porte de sortie? Ok, il y a deux portes de sortie. Bon. Pourquoi pas. Bon voilà, c'est tout pour les préparatifs. C'est vrai que c'est un peu long, mais... Au moins là, je sais pas. Je pense pas qu'on verra de nouveaux trucs. Maintenant, on va faire les soutiens. On va faire les soutiens. Parce que là, je pense qu'on en a quand même débloqué. Partir. Carte monde. Les soutiens, je crois que je pouvais les offrir aussi dans ce menu. Bon, c'est pas grave. T'annexe. Ah, bah du coup, on va faire l'annexe. Ah. Les escarmouches, les soldats ennemis ou les aberrations retombent parfois sur des scènes que vous avez déjà terminées. Ah. Ok, bah ça c'est un truc qui était dans Awakening. Comme quoi, les escarmouches, oui. C'est bien parce que ça te permet de up des unités que tu n'utilises pas en général. Référence, c'est ça, c'est soutien. On va faire les soutiens. Alors, le soutien ne dure pas longtemps, donc ça va. C'est pas les soutiens de Triop qui durent 2-3 minutes, là ça dure 1 minute. とても素敵な笑顔ですけど、何か嬉しいことでもあったんですか？もちろんあったさ。今朝は気分のいい鍛錬ができたし、いつもより早く走り込みが終わった。その上、こうして君の顔を見られたからね。とても幸せな気分だよ。もうからかわないでください。本当にそう思っているんだ。友達の顔を見られたら幸せな気持ちになるだろう？ そうですね。とても嬉しい気持ちになります。僕も同じさ。ところで、何か不便は感じていないかい？目覚めてから時間が経ったとはいえ、まだ慣れないこともあるだろう。不自由に思うことがあれば言ってほしい。そうですね。今は特にありませんよ。ならよかった。でも、本当に遠慮しないでくれ。リトスから旅立つ直前、 新竜様は僕に友達としていろいろ教えてほしいと言ってくれたの。あの言葉、とても嬉しくてね。友としてできることは何でもしたいんだ。私もその言葉、嬉しく思います。ありがとうございます、アルフレッド。 Ouais, ça dure vraiment, c'est très très court. Et je pense que c'est une nouvelle page de la frais. Ah, on en prend un peu plus sur les persos grâce au soutien. Le C, tiens, je l'avais pas enclamé, Vanders. Ouais, alors je vais pas faire tous les soutiens. Hein. Je pense que ça risque d'être trop long. Ah, merci. 次は書簡の返信か。この年になっても事務作業が多くて嫌になる。どうした？うん。何でもないよ。新竜様に使える仕事は忙しい。ボケっとしている時間はないぞ。あ、はい。
分かったら早く荷物を届けに行くんだ。いつもいつも雑用ばかり。僕はもっと森人のお仕事がしたいのに。クラ、何か言ったか？別に何も言ってないよ。それじゃあ行ってくるね。 Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur les sprites de ce jeu quand même. C'est plutôt rapide. ATエさん、お疲れ様。コロンさん、どうされたのですか？今日はATエさんのためにこれを作ってきたんだ。何ですか？この瓶に入ったものは。 僕が作ったピクルスだよ。疲労回復にとってもいいんだ。さあ、一つ食べてみて。わかりました。では、お言葉に甘えていただきますわ。もう美味しい。適度な酸味がたまりませんわね。そう言ってもらえてよかった。ATエさんの健康を考えて、調味料の分量とかを調整して特別に作ったものなんだ。 おろ、私のために特別に。うん。でも、それだけじゃないんだよ。おいしくなーれ。ATエさんにぴったりのピクルスになーれって願いも込めてるの。そんな、嬉しいですわ。なんて優しいお方でしょう。じゃあ、ビンゴと渡しておくね。おかわりが欲しくなったら言って。わかりましたわ。こんなにしていただいて、感謝です。 On a bientôt fini. Et si c'est... Ah oui, tiens, j'avais même pas le C entre les deux. Subarashine. Kyoa nante ii denki nanda. Sayo de gozaimasu wa ne, Alfred-sama. Zekkou no ocha biori desu wa. Boku wa ATEの irete kureru ocha ga hontou ni daisuki nanda. Sore deshitara, okawari wa douzo. Iya, enryou shite oku yo. わかりましたわ。さすがにもう持っていられない限界だ。先にティーカップを置かれましたわね。私の勝利ですわ。ああ、僕の負けだよ、エイティ。言い訳すら出てこない。しかしこの筋肉鍛錬用ティーカップ、前の時よりも重くなっていないかい？ 以前よりも鉛を大幅に足しましたの。通りで、お茶を口に運ぶのにも苦労したわけだ。この程度で値を上げてもらっては困りますわ。筋肉鍛錬の道は過酷な道。勝負も鍛錬もまだまだ続くのですから。望むところさ、エイティ。これも全て強靭な肉体のために。ええ、アルフレッド様。強靭な肉体のために。 Bon là, ça parle de muscles, bon, est-ce que c'était... C'était une surprise. Ohayou gozaimasu, Oni-sama. Ohayou, Céline. Kyoumo tanlen ni seika demasu ne. Anahori de tanlen suru no wa isasaka zanshin sugimasu keredo. Sore ni, sonna ni fukoku horu nante, hoka no kata ni meiwaku de wa? Céline. これは鍛錬ではないのさ。だから深さもこれでいい。いや、もっと深く掘らねばならない。一体どういうことですか？朝食を作ってくれている人たちが水が少し足りないと言っていたのを聞いてね。だからこうして井戸を掘っているところなんだよ。え？あのですね、お兄様。 お水が足りないのなら近くの川に汲みに行けばいいの。わざわざ井戸を掘る人なんていないわ。そうか、その手があったか。なら早速川に向かうことにしよう。上限をありがとう、セリーヌ。はあ、国にいた頃からずっと思っていたけれど、お兄様は
見た目が蛮族の方が中身と合っていると思うわ。Un petit peu con le Alfred, non? Est-il boucheron du coup? Un petit peu con, ouais, faut dire les termes. Hein. Vous voyez, ça a duré même pas 10 minutes. Alors... Bah, ça a même pas duré 5 minutes en vrai. またその話か。そういったものは飲んでいないぞ。嘘はいいんですの。どうか白状してくださいな。嘘などついていない。俺は筋肉がつきやすい体質なんだ。ただそれだけのこと。本当にそうでしょうか。実は私、ブシロンさんのことを密かに観察させていただきましたの。え、そうなのか。あなたは朝の鍛錬が済んだら、あとはずっと釣りか読書。私が走り込みをしている間も、ずっとぼーっと釣りか読書をしているだけ。それで、そんな恵まれた体格になれるはずがございません。何か素晴らしいものを飲んでいるに違いありませんわ。まさか、危険な薬物ですの？だとしたら、厳罰ですわよ。そんなもの飲むわけないだろう。本当に何もしていない。まったく、こんなことで問答を続けていたらアルフレッド様の進化として妙な噂が立つだろう。俺はもう行く。またな、エティ。おかしい、絶対におかしいですわ。ああ、わい、ça mérite d'être rapide. On va faire escarmouche.Début entraînement, ouais, de commencer cet entraînement. Bon, cet entraînement, c'est cette escarmouche, on affronte quand même des aberrations. J'allais appeler ça des ombres. Bon, ça revient même. Hein. C'est vrai, donc, bon, il y a beaucoup d'éléments quand même qui sont inspirés de. Quand même de Awakening. Hein. Faut dire les termes. Hein. C'est très, très, très proche d'un Awakening. La carte aussi, en vrai, je dis que ça ressemble à Shadow Valencia, mais n'importe quoi, ça ressemble à Awakening. Désormais, deux sons pour la musique. Bah, c'est bien, frère, mais je m'en bats les couilles. Il y a que deux persos qu'on peut pas prendre. Ok. Bon, Wagner. On va pas le prendre, hein, ça sert à rien. J'ai optimisé mon stuff, au fait. Hein. On va prendre Jean, vu qu'il est pas. Il est que level 1. Permuté. Où sont les ennemis? Ah, c'est des soldats fériniens qu'on affronte. Mais c'est nos alliés. Ah oui, mais c'est vraiment la carte du jeu, quoi. Ah, du coup, elle est grande, quoi. Ah, mais du coup, il y a les escaliers, là. Ok. Pas d'arche. Bon, on va commencer, let's go. Ah, la défaite, on perd quand même. Si Alir meurt, c'est fait. Déploy cam 5 fois. Ok. Ah, de l'ISP. Level up pour... Level pour Alir. On a gagné enfin un pont en magie. Mon lien. De l'ISP aussi. Oh, une hache légère. Oh, le crit à 2%. Ah, on gagne pas d'amitié.
Ok, j'ai l'impression qu'on ne gagne pas de points de soutien. On gagne de l'XP, mais pas du soutien. Ok, bon bah c'est bon, ça va. C'est vrai que j'ai pas pris Eti, hein. Mais je vais... Non mais pitié, pas les fusions. Ah si. C'est sûr, il y a quand même de l'amitié. Ok. Ok, ok, ok. C'est en attaque qu'on gagne des trucs, pas en contre-attaque. Level 9 pour... Ah, Pégase lance, d'accord. Qui doit avoir les Pégases... Les Pégases sans... Les Pégases sans armes. Alors que le but, c'était vraiment de gagner de l'XP avec Jean. Bah du coup, bon, je pense que le mieux pour lui faire gagner de l'XP pour le moment, c'est de le faire heal des gens. C'est vrai que je lui ai donné colère à... Level 7. Précision Tom. Ouh, level 9. Ah, level 9, oui. Je me disais, le level 9 de lien avec cette gourde, je me dis, comment c'est possible? Bon, c'est pas grave, là, c'est une phase d'entraînement, si on perd des unités, bon. Il m'a lancé quoi comme arme? Ah oui. Level up pour Jean.
Dommage. Lien du destin. Plus moins 10 en crit. Et inflige moins 10, ouais. Moins 10 en crit. L'intérêt d'avoir deux healers, c'est que... Putain, par contre, il me met sur le truc par défaut qui est pas bon. Ouais, mais les healers, ouais, faut espérer... il faut les faire travailler un peu. Arc d'acier, c'est le meilleur. Des petits level up, level 7 aussi. Ça sera bien contre. Alors, je t'avoue que les pétés. Je sais pas trop. C'est vrai qu'il a pas de hachette. Il a pas de hachette. Boucheron. Non. On a relativement peu de chance de louper. Hein. Duel d'archer, bon. Brise arme. Ah non, loupé. C'est vrai que Ali a quand même une bonne vitesse. Hein. Le perso est pas. Est pas pourri pourri quoi. Il est juste pas. Il est pas juste exceptionnel, mais c'est. Normal. Hein. Bon, Jean qui aura presque. Qui aura presque gagné deux niveaux. Un niveau et demi. Ah, j'avoue qu'on a des bons persos pour débuter le jeu. Pas dans tous les jeux qu'on a ça. Mais je crois qu'il y a un bonus hein, quand le perso est à côté de Alir. Bah c'est pété ça, parce que pour le coup tu peux faire tes soutiens hyper vite. Bah après il ne doit pas en avoir tout le temps quoi. Non, pas barrage. Heal. Après c'est bien que les healers peuvent quand même attaquer grâce à... au pugilisme, mais bon. Bah, je lui mets brise-garde. Ouais, la meilleure arme, c'est la lame d'acier. Hein.
Je crois que c'est parce que le healer a fait une garde enchaînée. Ce qui a permis de se sauver. C'est un petit peu jeté sur les roues du carrosse. Hein. Ah, du coup elle est morte. Ah non, esquive de... l'esquive qui la sauve. C'est peut-être de l'ISP, hein. Ah bah c'est une hache. Bah faut que ce soit... Donc c'est un soldat qui... Vu que c'est un armor, le mieux c'était d'envoyer un mage. Ah c'est du lien, ok. T'as l'œil chaud. C'est vrai que là je ne fais pas attention. Hein. C'est une carte d'entraînement. Hein. On fera l'annexe après. Voilà la carte d'entraînement qui est fait. Voilà, level up pour Sin. Level 9. Niveau 8. Plat préféré. Ok. Ah, c'est si peine, escarmouche. Ah oui, du coup, les unités gagnent quand même un peu d'ISP. Tant de points d'ISP chacun. Level 8 pour Alir. C'est un level pour Clam. T'as la vitesse qu'il a. On obtient de l'argent. En plus, c'est un intérêt. On gagne de l'argent. Donc, c'est tout bénef. Bon, on va faire l'annexe maintenant. Je sais que la VOD va être un peu long. Ça sent la plus longue de toutes. Mais c'est pas grave. On a testé les escarmouches. Bon, je pense que c'était l'unique fois que je le montre en VOD. Si j'en ai, je les ferai hors VOD. Là, c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Bon, c'est une escarmouche comme dans Awakening, quoi. Tu bats les ennemis. Ah, et on peut se promener dans la carte. Ah, c'est un intérêt si... Bon. Ah oui, c'est un intérêt parce qu'en plus, de ça, on va peut-être gagner des points. Ouais, c'est un intérêt, Ok, ça... Ok, ça a un intérêt, du coup. Parce que tu gagnes vraiment de l'ISP, des points... Ouais, ça a un intérêt, ok. Je lis pas les phrases, hein, vous pourrez mettre en... Réduire la vitesse si jamais. Mais ouais, ça. Regardez, tellement de points que les puntos que ça rapporte. Du coup, ok. Ma question qui était comment retourner dans les anciennes cartes. Si jamais j'avais oublié de recruter un animal. Eh ben, d'adopter un animal. Putain, j'ai vraiment le. Bah, c'est tout simplement. C'est tout simplement en refaisant. En espérant qu'une escarmouche tombe sur le jeu. Sur la zone et... ok, bon, c'est du pifomètre, quoi.
Parce que oui, il me manque des animaux dans la première carte, étant donné que bah je ne savais pas qui. Voilà. Bon, du coup, on va faire l'annexe. Repère des bandits. Débuter le chapitre. Attends, quoi? Adoptable, adoptable, adoptable. Ouais, mais on a des adoucheurs à adopter. Matériaux, tout ça. Ok. C'est parti pour l'annexe. Bon, je suppose que pour recruter un personnage. La marchande mystérieuse. Ok, bon, bah, c'est l'annexe de Anna. まだ見つからないのか。すいません、お頭。あのコソ泥、すばしっこくて見失いました。私たちは盗賊団だぞ。お宝を盗まれるなんてあっちゃならねえ。コソ泥はまだこの砦からは出てないはずだ。絶対に捕らえろ。はい。お頭、大変です。今度は何だい。武装した一団が。この砦に向かってきてます。かなり強そうです。次から次へと面倒なことが起き上がる。今日は役日だね。だがこの危機は必ず乗り切ってやる。戦闘班は配置につけ。迎撃態勢。シーフは直ちに宝物庫に向かえ。お宝が奪われないよう回収して避難だ。了解っす。D'accord. Bon, c'est rapide. La mise en bouche est rapide. Connexion. Connexion à quoi, je ne sais pas. Bon bah il faut ouvrir le coffre. Je pense qu'il faut juste ouvrir le coffre pour la recruter. On est qu'à 4, on est que 4. Ok, on est 8-4-4. 町の人たちが言っていた盗賊団の根城、どうやらここで間違いなさそうですね。貴重品を奪われたという被害者の方が大勢いました。大事な思い出の品やご両親の形見、なんとか取り戻して差し上げたいです。そのためには戦うしかないようですね。あら。Ah, on a que... Oui, 8 unités. Pour plus de rapidité, on va prendre Chloé à la place de Louis. C'est marrant, il y a des unités qui sont plus... C'est qui la meilleure unité, du coup? C'est... ok, c'est... c'est Céline. Et la pire, ouais, c'est Jean. Mais en même temps, il lui manque beaucoup de levels. Il lui manque 5 levels. Après, d'ici 5 levels, on en rediscutera. H, ok. Tom. Donc, il faut ouvrir le boss. Et... Où est le boss? Celle, mi-temps. La mi-temps. Voilà. On va plutôt alterner, hein. Comme ça il y a, bon j'allais dire il y a deux emblèmes de chaque côté, mais non, faudrait que je prenne Yulaka. Allez c'est parti, je sauvegarde parce qu'on sait jamais, imaginons que je perds, je ne recrute pas, je ne recrute pas Anna, bon. Anna qui est pareil dans le deuxième annexe du The Awakening, hein, ce qui est, non mais c'est dingue.
C'est vraiment le même jeu, quoi. Du coup, elle est dans cette salle-là. On n'est pas obligé de péter la porte. Donc, faut ouvrir les coffres. Ah, il y a des archers. Du coup, Alfred, ouais, bonne unité en phase défensive, hein, du coup. Deux unités à distance. Bah, ouais. On a deux unités à distance à peu près dans chez groupe. Où ils vont? Esquiver une attaque 50 fois. C'est bien de pas avoir la durabilité des armes. Je t'avoue que devoir changer d'arme à chaque fois, réparer les armes, c'est pas le truc le plus ouf de tous les temps. Ah bah, du coup, Fram va pouvoir le tuer. Level up pour Fram, level 7. Non, c'est un voleur. De ce côté-là, c'est bon. Autour de ce côté-là. Level up pretty. Level 7. On va envoyer bûcheron parce que on va pas utiliser. On va pas envoyer Fred tout de suite parce que bon. Il risque de se faire défoncer sa mère. Ah, ils vont piquer dans les coffres. C'est vrai qu'on n'a pas de healer de ce côté-là. Ouais, il va ouvrir les deux coffres. On va dire oui, faut faire attention qu'aux soins, donc ça va. Ah oui, il y a lui. Donc quoi, ouais, bah il y a des potions de toute façon. C'est ça pour pas que Bûcheron soit trop loin. Après on peut voler un récupérer ce qu'un voleur a pris. Hein. Oh la magister, ok, il y a des magisters. Tonic force.
Level up pour Chloé. Putain, il est level 10. Il avait mis les culs sur lui. Bah, s'il est pas con, il va repartir de l'autre côté, mais... C'est pas grave, hein, j'irai le chercher avec Alfred, me fusionner. C'est-à-dire qu'avoir une unité qui se fusionne et qui va chercher loin, c'est bien. Je suppose qu'il faut la, il faut lui parler avec Alia. Ah oui. En réalité, c'est pas plus mal qui. Phase alliée. Ah, ça va, elle se rapproche de moi. Eh, ça dégage, je m'en fous. Le voleur va partir. Dommage. À une case près. Donc lui... Ah, mais lui, encore deux tours avant qu'il se barre. Au pire, elle va peut-être venir me parler, Anna. Donc au pire, ça simplifiera les choses. Bientôt level 10. J'ai dit quoi à propos d'Alfred? Ouais, il était nul. Bon, il a peu de mal à tuer. Bon, là, il va tuer maintenant avec ça. Ouais, bah, l'autre voleur, bon...
pense que à part être une moule, c'est compliqué de pas l'avoir. Hein. Ah, j'ai quand même une chance de le louper. Hein. Allez, level up pour Boucheron. Ah, il a gagné 2 en PV, tiens, c'est original. Vainque des voleurs. Ouais, bon, le voleur là, je l'aurais pas. Hein. Par contre, l'autre, oui. Bon, le tonic force. Bon. Belle 10 pour Alfred. Par contre, l'autre voleur, oui. Peut attaquer derrière. Ah, il est obligé d'attaquer. Bon, c'est pas grave, on aura laissé partir le truc tonique, mais c'est pas grave. Parce que le magister, c'est plus intéressant. Bon, bah, je vais fusionner. Ah, même en fusionnant, je ne tue pas. De toute façon, le temps qu'il ouvre la porte, il va mourir. Ah, t'es obligé de m'affronter si tu veux passer. Ah, elle passe par l'autre côté. Le pourquoi il est parti trop débile. Ouais, moi, c'est que je vais me faire attaquer d'ici. Ouais, là, ça meurt. Et dans le magister. Vous pouvez, ouais, mais en passant une classe en unité, reçoit un bonus de karaté, une nouvelle technique, bref. Elle est là combien, non?
Elle est level 5. Bon, je pense qu'elle ira à l'entraînement. Finir votre tour. Gadagadrat. Bonne histoire de Brisegarde avec un mage. Bon bah, dans tous les cas, il aurait le. Putain, des stats de malade. Je me suis demandé... Ah merde, elle va pas assez loin. Bon bah, on va le tuer avec Céline. Level up pour Céline. Level 10. Ah, il reste que les boss. Mais frère, je peux pas alterner mes armes. Bon, on va savoir pourquoi. Level 7. Inflexible au début de la phase joueur et c'est du 20% des PV max. On va récupérer les trucs. Récupérer les trucs quoi. Putain mais. Level 7. Ouais, Anna ouais, va faire un petit tour dans la zone de. Elle va faire un petit tour dans la zone de level up. Hein. Dans l'arène. Je sais même pas comment si on peut. Oh, colère, intéressant. Ce sera pour... Ce sera pour... comment? Pour... Céline qui a pas de colère dans son... en magie. On va faire le level up pour Fram. Elle level up. Level 8. Je crois qu'elle aura gagné 2 levels dans cette carte. Et le deuxième truc. Petite dague. Ok, bon, ce sera pour Yulka. Je sais ça dans l'unique but pour que Anna gagne au moins un level dans cette carte.
Mais ça dure. C'est des fragments de liens. Je sais pas si Céline la tue directement. Non. Tu vas avoir peut-être taper notre tête, on sera pas. Ah bah ça parle. Ah là, une pierre des. Oula. Ah bah dans ce cas on va la tuer. On va la tuer maintenant si elle a une pierre de résurrection. Allez, au tour d'Alia. Fusion. Est-ce que l'adrénaline du guide, ça tue? Bon, quelle que soit l'arme, ça tue. Pour lire. Ah, c'est clan en héros. Très surprenant. Et voilà, l'annexe, la marchande mystérieuse, c'est fait. Première annexe. Première annexe de fille, let's go. Congo, Tozok Danga Warikoto Shinayoni, Konochino Ehengi, Kitin to Hikio Tashimasho. Anata Tachi, Totemotsuino, eh? Yokatara, Watasio Anata no Nakamani Stekurenai? Nakamani? Desna, Watashi Tsuitekreba. 先ほどよりも苛烈な戦場に赴くことになります。あなたにとっては危険な旅になると思いますよ。私、こう見えて戦闘の心得があるのよ。自分のことは自分で守る。足手まといにはならないわ。それに、私、他に行くところがないの。家族と離れ離れになっちゃって。家族と。 一人は心細いし、あなたたちと旅をしていれば、いつかみんなと再会できるかもって。わかりました。そういうことなら、私たちについてきてください。私は神竜。これからよろしくお願いしますね。神竜様？あなた、神竜様だったの？これは、商売繁盛の予感。 On sent que Heroes a une influence aussi. On sent aussi, hein, parce que Anna qui se bat avec la halle, c'est pareil que Anna. Ah bah il y a des trucs à faire. Bon, on fera ça dans la prochaine VOD. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. À bientôt pour une prochaine VOD qui sera tournée après celle-ci.